Elle avait la taille faite autour, les hanches pleines. Elle chassait le mal aux alentours de la Madeleine. À sa façon de me dire, moi, est-ce que je t'en hante? Je vis que j'avais affaire à une débutante. Hante. L'avais-je donc, c'est vrai, j'en conviens, l'avais le génie. Mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Certes, on ne se fait pas putain, comme on se fait non. Oh non, c'est du moins ce qu'on prêche en latin à la Sorbonne. Oh oh, me sentant rempli de pitié pour la donzelle, je lui enseignais que son métier, les petites ficelles. Je lui enseignais le moyen de bientôt faire fortune en bougeant l'endroit où le dos ressemble à la lune. Je le confesse, le difficile est de bien savoir jouer des fesses. On ne torpille pas son boutin de la même manière. R1 pour un droguiste, un sacristain, un fonctionnaire. R1 rapidement instruite par mes bons offices. Elle m'investit d'une part de ses bénéfices. On céda mutuellement. Naturellement pour moi la terre. Soir à la suite de manœuvres douteuses, elle tomba victime d'une maladie honteuse. Lors en tout bien, toute amitié, en fille propre, elle me passa la moitié de ses microbes. Après des injections aiguës d'antiseptiques, j'abandonnais le métier de cocu systématique. Elle eut beau pousser des sanglots. Tu t'aimes ma pauvre amie, couru essuyer du bordel, les infamies. Paraît qu'elle se vend même à des flics, quelle décadence. Y'a plus de moralité publique dans le